Bonjour à tous, alors on est samedi matin et ce week-end de Pâques c'est un week-end Disneyland, voilà. Aujourd'hui, là je vais pas tarder à partir à Disney et j'y retournerai soit demain, soit lundi. Je ne suis pas sûre encore. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est parti. On y va pour faire les nouvelles attractions. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, on est arrivé. On est juste devant le château. Et là, on va foncer direct à Discoveryland pour faire le nouveau Star Wars et le nouveau Space Mountain qui est aussi sur le thème Star Wars. Voilà. Donc, on fonce et on se retrouve juste après. Voilà. Avec Demiro. Voilà, finalement j'ai commencé par Star Tour. Star Tour Star Wars et il était vraiment super le nouveau. Bon, encore une fois c'est super court. Mais franchement c'était magnifique, super sympa. Bon j'étais pas très très bien placée, j'étais tout au bord. Mais franchement, je pense que je le referai une deuxième fois pour être un peu mieux placée. Mais c'était super. Bon, finalement, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, le Space Mountain il sera pas ouvert avant, je crois. Mais je suis un peu idiote de pas avoir regardé avant. C'est pour ça que je retrouvais pas l'entrée. Et ensuite, du coup, en fait, j'ai fait Starport. Donc Starport, en fait, c'était prendre une photo avec Dark Vador. Je savais pas du tout. Et comme j'étais sur mon téléphone, en fait, j'ai pas fait attention là où je rentrais. Et encore une fois, en fait, je suis passée. Je pense que c'était prioritaire ou je sais pas quoi, enfin bref. J'étais sur mon téléphone, je suivais des gens et du coup je me suis trouvée dans un petit espace et il y avait la queue à côté en fait. Donc c'est... Il y a que moi pour réussir à faire des trucs comme ça, je vous jure, c'est... On m'a pas demandé de billets, rien quoi. Et du coup bah, je suis passée, au lieu d'attendre 40 minutes, j'ai attendu 5 minutes. Mais c'est fou parce que j'ai pas fait exprès en plus, voilà c'est... Chaque fois, je l'avais fait en fait il y a quelques années avec Nemo. Pareil, j'étais passée avec les VIP et tout, mais sans faire exprès en fait. Et là, j'ai refait pour Star Tour, Starport. Et heureusement parce que attendre 40 minutes pour faire une photo avec Dark Vador, ça aurait été long en fait. Donc voilà. Donc là, je vais aller à Small World. C'est parti. Bon, finalement, entre temps, je suis allée chercher mon passeport annuel. Et dans la queue, il y avait un petit japonais, genre il avait 4 ans, il était trop trop mignon. Il était trop trop chou. Du coup, ça m'a permis de passer le temps parce que c'était très très long d'attendre. Alors que ça m'a pris 30 secondes à faire. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va au Small World, à tout de suite. À 20 minutes de queue, a priori, pour Small World. C'est parti! Parfait, je suis au fond toute seule. Ma tête et le
voilà, maintenant on va vite fait aller au manoir hanté. Et après on ira dans l'autre parc parce que Pirates des Caraïbes c'est fermé aussi a priori, donc voilà, on va un petit peu se reposer au manoir hanté et puis après ce sera le truc à sensation. À tout de suite. Au niveau du train de la mine, mais 75 minutes d'attente, ça fait un petit peu long, donc on va vraiment se diriger vers le manoir hanté. Voilà, c'est là qu'on va. C'est parti. Très bien, malgré mon bon appareil. Donc maintenant on va côté de studio pour faire la tour de la terreur, rock'n'roller, et si on a le temps, Nemo. Voilà, c'est parti. On passe pour faire un peu de shopping en passant, c'est parti. On arrive à studio. Et voilà. Première étape, normalement c'est la tour de la terreur. Allez, c'est parti. Et voilà. C'est parti. Rock'n'roller. Ah, c'est Jean, il me gêne. Mon manège préféré avec Nemo. Voilà, on y va. Voilà, je viens de sortir de Rock'n'roller. J'étais un petit peu explosé parce que ça a beaucoup cogné. Ça va quand même, c'était pas mal. Là on va donc à Nemo. Normalement il y a le Singer Rider. Donc normalement je devrais passer plus rapidement que les autres. Donc on va essayer. On y va, à tout de suite. Donc bah voilà, en sortant de Crush Coaster, il y a eu une grosse grosse averse, donc je suis vite mise à l'abri. Et puis maintenant je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui, j'ai pas... Je suis un petit peu fatiguée là, donc je vais rentrer. Je vais faire un petit tour à Disney Village et puis après retour à la maison et on reviendra un autre jour pour le reste. Voilà, c'est parti, direction les magasins. J'espère trouver mon bonheur là-dedans, dans ce grand magasin là. On va voir. Bon, finalement, j'ai pas trouvé mon bonheur à ce premier magasin, donc je vais faire un tour dans le village. Juste trouvé un cadeau pour mon entraîneur de tir à l'arc. Mais sinon j'ai pas trouvé pour moi, j'ai pas trouvé pour Laurence. Donc je continue à chercher et puis on va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, première journée terminée à Disney.
J'ai pas trouvé quelque chose pour moi ou pour Laurence. Mais c'est pas grave, parce que je vais revenir, donc je dirai trouver demain ou après-demain. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve dans un ou deux jours.